On est aujourd'hui le jeudi 5 Marcheshvan, on est le 30 octobre et le cours sera pour la Rifua Shelema de Yehuda Ben Rivka Ita Brenda. Et quoi qu'il en soit, on est Parshat HaShavua, une parasha tellement importante que quand on est face à une parasha comme celle-là, on est déjà fatigué avant de commencer parce qu'on ne sait pas comment on va commencer. Lech Lecha. La parasha la plus importante, comme je le dis déjà depuis de nombreuses années, comme je l'ai dit cette semaine dans un autre cours sur cette parasha est pour nous la plus importante de toutes, en tout cas depuis le début de la Torah, puisque c'est celle qui commence notre histoire. Et donc, nos maîtres font remarquer que cette parasha, Lech Lecha, par rapport à notre histoire, est aussi fondamentale que Bereshit, la première parasha de la Torah, par rapport à l'histoire. Par rapport à l'histoire globale, en ce sens que, comme on le sait, dans Parshat Bereshit se trouve visiblement et surtout cachée toute l'histoire du monde, jusque après et plus encore. Exactement de la même manière, toute l'histoire, toute la mission, tout le projet, tout le devenir d'Israël se trouve caché dans Parshat Lech Lecha. Évidemment, après ça va en s'explicitant, en se dévoilant de plus en plus de parasha en parasha. Mais dans Parshat Lech Lecha, comme c'est la première, et selon le principe fondamental que dans la Torah, tout ce qui est le début, c'est roche, c'est la tête, c'est le cerveau. Donc tout se trouve à l'intérieur de tout se trouve à l'intérieur de ce cerveau. En tous les cas, on va donc essayer d'extraire une notion importante parmi des milliards qu'on ne pourra pas traiter en tous les cas aujourd'hui. Chaque année, on essaye de dévoiler encore une notion et encore une notion. Et dans l'esprit de ce que j'explique depuis pratiquement la reprise, depuis après Sukkot, parce que c'est plus ou moins ce qui se dévoile en ce moment, et on n'est que des canaux qui transmettons ce qu'on nous demande de transmettre. Donc pour l'instant, c'est plus ou moins le fil conducteur qui se dévoile, donc je suis moi-même tenu d'aller selon ce fil. Et donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai fait remarquer dans un cours sur le Shalom Bayit que j'ai donné avant-hier soir qu'on avait une analogie absolument incroyable, fabuleuse, entre un passage fondamental du début de la première paracha, Bereshit, en ce qui concerne l'apparition du premier couple, Adam et Ève, une analogie, je disais bien, entre Adam et Ève, entre quelque chose qui leur est demandé à Adam et Ève, et ce qui est demandé à Abraham. Quelle est la première parole que Hachem adresse à Abraham? Lech lecha, mi artzecha, mi moladetecha, ou mi bet avicha. Vous connaissez tous la traduction, malheureusement, vous ne connaissez souvent que la traduction, on est tous victimes des traductions. Comment que la traduction traduit? Quitte ta terre, ton lieu de naissance et la maison de ton père. Les commentaires qui cherchent beaucoup plus en profondeur affinent cette traduction et expliquent quitte ta terre, ta mère et ton père. Pourquoi ta mère, mimo la terre? Celle qui t'a mis au monde. Comment s'appelle une femme qui accouche? Une yoledette. Comment s'appelle un enfant? Un yeled. Comment s'appelle une naissance? Olada. Mimolatecha, de la matrice qui t'a donné la vie. Quitte donc cette matrice. À propos ça de fait allusion à quoi? À moledet, omrim shek, gever molid, isha yoledet. Aze pa'amai mebet abba. Ça ne me dérange pas. Mais comme c'est déjà cité dans le verset explicitement « Mibet avira », donc ici « Mimola terra » parle forcément de la mère. Donc celle qui t'a donné la vie. Et donc le verset finalement dit explicitement, quand on regarde un peu plus en profondeur, « Quitte ta terre ». Ça veut dire « Quitte ton milieu ambiant, ta culture, toutes les influences qui sont liées à l'endroit dans lequel tu as vécu ». Mais quitte aussi ta mère et quitte ton père. Mimo la terre, mi bet avicha. Et va vers la terre que je t'indiquerai. Ce qui est extraordinaire, c'est que nos maîtres mettent en relation ce verset avec le premier commandement pratiquement qui a été donné à Adam au moment où il s'est marié. Al ken yazov ish et aviv ve'etimo vedavag be'ishto.
Ainsi l'homme abandonnera son père et sa mère et se collera à sa femme. Et là, nos maîtres ouvrent une porte inimaginable. Quoi ? Pour aller vers sa femme, c'est les mêmes conditions que pour aller vers sa terre. De là, on comprend que nos maîtres nous révèlent ici quelque chose d'absolument incroyable. La relation entre l'homme et sa terre, entre un peuple et sa terre, est là, exactement la même relation que celle qui gère, celle qui existe entre un homme et sa femme. Dis-moi comment tu es avec ta femme, je te dirai comment tu es avec ta terre. Dis d'une autre manière, pour rejoindre l'esprit de nombreux cours qui ont été donnés déjà depuis 2 ou 3 semaines, dis-moi quel est le statut de la féminité dans ton pays, et je te dirai quel genre de peuple tu es. C'est fabuleux, c'est extraordinaire, c'est unique au monde. Ce que je dis, ça n'existe que chez nous, ça n'a jamais été dit. Dans d'autres civilisations, dans d'autres peuples, dans d'autres religions, il n'y a que nous qui détenons ce secret-là. Ça veut dire que dans la mesure où il y a cette analogie, on peut comprendre d'une certaine manière du rapport que l'homme établit avec l'épouse ou avec la femme en général, on peut comprendre quel type de civilisation va être créé. Je fais une déviation dans un sujet qui ne sera pas celui d'aujourd'hui, mais pour revenir à ces notions de l'émère qui avait deux femmes, la femme qui est juste pour les enfants, l'autre qui est juste pour le plaisir, civilisation occidentale, civilisation orientale ou proche orientale, ça serait très intéressant d'aller beaucoup plus loin. Juste, je lance une idée, enfin c'est plus qu'une idée, c'est une réalité, c'est une science. Ça veut dire qu'on pourrait comprendre tous les mécanismes de la civilisation occidentale à partir de la relation occidentale qui existe entre un homme et une femme. On pourrait comprendre tous les mécanismes, toutes les valeurs, la manière de diriger, la manière de considérer le pouvoir, le citoyen, les lois qui gèrent le pays, peu importe. On pourrait comprendre toute la manière dont le monde proche-oriental gère la nation, de la manière dont l'homme établit une relation avec la femme. C'est une étude absolument incroyable à faire, peut-être qu'un jour elle sera faite. En tout cas, elle ne pourrait être faite que par des juifs qui connaissent la Torah, parce qu'il n'y a que nous qui avons donc cette approche et surtout les secrets pour comprendre, grâce à nos commentaires et notre lecture de la Torah, quel pourrait être effectivement le lien entre l'un et l'autre. Mais en tous les cas, je ne peux pas tout expliquer, bien que ça pourrait être un sujet en tant que tel, mais je vais aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est cette ordonnance de quitter son père et sa mère pour se marier ou de quitter son père et sa mère pour fonder une nation dans un pays, puisque c'est l'ordonnance qui est donnée à Abraham, quitte ton père et ta mère pour aller vers le pays que je t'indiquerai, et je ferai de toi un grand peuple. Donc c'est les premiers pas vers la nation d'Israël, sur la terre d'Israël, avec Jérusalem comme capitale éternelle et indiscutée. Très bien. Et donc, pourquoi abandonner son père et sa mère? D'abord, c'est clair qu'on ne parle pas ici d'un abandon physique, technique, c'est évident. Ni dans le premier verset qui demande à Adam d'abandonner son père et sa mère, comme tous nos maîtres expliquent, c'est pas géographique, c'est pas que tu les laisses et tu t'en vas. C'est un abandon psychologique. C'est-à-dire on te demande d'abandonner quelque chose lié à ton père et à ta mère que tu as reçu avant de te marier. Exactement de la même manière, il y a une notion de quitter son père et sa mère pour pouvoir véritablement fonder une nation sur une terre. Alors je pourrais expliquer de milliards de manières ce verset-là, dans le contexte du Shalom Bayit, c'est un cours que j'ai fait avant-hier soir, qui sera bientôt sur le site. Je ne vais pas l'expliquer dans le contexte du Shalom Bayit, c'est-à-dire de la construction d'un couple et d'une famille. Je vais expliquer dans le contexte du cours d'aujourd'hui, d'une manière beaucoup plus, on pourrait dire, générale, qui est juste aussi, car comme on le sait, la Torah peut être lue et doit être lue à différents niveaux, car tout est inclus dans la Torah. Comme on le sait, le père et la mère, d'après la Kabbalah, font allusion à ce qu'on appelle Chochma et Bina. Le père, la dimension masculine, c'est la Chochma, et la mère, c'est la Bina, qu'on pourrait traduire d'une certaine manière par, l'idéal et la réflexion, l'idéal et l'intelligence. La dimension masculine, c'est l'idéal, ça veut dire le but, le projet, mes aspirations. Et la dimension féminine, c'est l'intelligence, c'est-à-dire la réflexion. Pas seulement avoir un idéal, mais aussi réfléchir sur cet idéal, sur toutes les nuances et toutes les notions que cet idéal contient. Donnons un exemple simple. Je suis encore à Paris et tout d'un coup, j'ai l'idéal
la volonté ferme de venir m'installer en Israël. À ce moment-là, je dévoile en moi la dimension masculine. Cet idéal me prend à la gorge et ne me lâche plus. Mais après, faut-il encore réfléchir ? D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Tu as une femme, tu as des enfants, tu as des responsabilités, comment tu vas faire, où tu penses aller, ta. Ça, c'est la dimension féminine, c'est la bina. Comme on le sait, comme un homme et une femme, l'homme apporte la graine, la femme en fait un enfant. Donc, on comprend très bien la relation entre Chochma et Bina. Mais quoi qu'il en soit, ça je ne l'ai pas expliqué dans le cours sur Shlom Bayit, mais je l'explique ici, quoi qu'il en soit, comme on le sait, à ces deux formes d'intelligence manque une troisième force, qui est, on pourrait dire, la plus déterminante et la plus importante de toutes. La volonté, la détermination, le courage. Donnons un exemple simple. C'est clair, tous les jours j'y pense, je veux venir m'installer à Jérusalem. Très bien. J'ai même réfléchi, pensé, j'ai été à l'agence juive, j'ai parlé avec des gens, j'ai fait un voyage d'études, je sais exactement ce que je ferai là-bas. Oui, mais est-ce que tu as la force, tu as la volonté? Parce qu'il en faut un sacré courage, malgré tout quand tu as une femme et quatre gosses, tu as 45 ans, venir s'installer ici, je veux dire, c'est plus difficile que de traverser la mer Rouge. C'est difficile, c'est pas évident. Quand tu es venu jeune, c'est facile. Quand tu viens à la retraite, c'est encore plus facile. Mais quand tu viens en pleine vie professionnelle, comment tu fais? C'est pas évident. Et donc, il faut un courage, il faut une force inimaginable. C'est-à-dire que la chorma et la bina ne suffisent pas. Et comme on le dit en français, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Combien et combien d'hommes et de femmes sur terre savaient exactement ce qu'il fallait faire, mais ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il fallait du courage. Et il fallait de la force. Rappelez-vous le cours d'hier, Chazak ve'ematz, le cours des psaumes, le cours d'avant-hier, Chazak ve'ematz. Pourquoi on répète constamment Yehoshua, Chazak ve'ematz, sois fort et sois courageux? Parce que quand il s'agit maintenant de réaliser le rêve, et je donnerai une terre à ta postérité, et dans quatre générations ils sortiront du pays qui les faisait souffrir, et je les amènerai sur la terre où coule le lait et le miel. C'est l'air. Et pendant 400 ans, notre peuple a vécu en étant attaché à cette aspiration. La preuve, c'est qu'il est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais désespéré. Mais d'un autre côté, ça ne suffit pas. Après, il faut un sacré courage, parce que ce n'est pas les obstacles qui manquaient. Il fallait d'abord affronter Pharaon. Il fallait traverser le désert. Bekitsur, il fallait un homme d'un courage, d'une force inimaginable, et aussi d'un peuple qui ait la force et le courage de se coller à ce maître, à ce dirigeant, qui était bien sûr Moshe, puis après Yehoshua. Donc la Chochma et la Bina, ça ne suffit pas. La Chochma et la Bina, c'est le commencement, mais il manque une autre dimension qui est la volonté, le Ratson. Et nos maîtres nous révèlent un secret extraordinaire. Vous savez pourquoi la terre s'appelle Eretz Milashon Ratson? Pourquoi la terre s'appelle Eretz, qui en hébreu a la racine du mot volonté, Eretz Ratson, c'est un des premiers Midrash du Midrash Rabba, Lama Inikret Aretz Sheiratzta Lasot Retson Akadosh Baruch Hu. La terre nous donne cette dimension-là, la volonté. Pourquoi? Parce que sur terre, tu ne peux rien réaliser si tu n'es pas un homme fort. Ce monde ne supporte pas les faibles. Ce monde ne supporte pas les rêveurs, même les gens intelligents, rêveurs Chochma, intelligents Bina, mais qui n'ont pas la force de se battre pour réaliser leurs aspirations. Il n'y a pas de place pour les faibles dans ce monde. Maintenant, on comprend ce que veut dire le verset. « Alken ya'azov ish et aviv et imo vedavak be'ishto » Je vais l'expliquer à deux niveaux. Le niveau simple et le niveau plus profond. Le niveau simple est, c'est que tant qu'un homme n'est pas marié, sa vie est facile d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à se battre et il n'a rien à construire. Ou disons, il ne peut rien véritablement construire. Il vit dans la gratuité la plus totale. À partir du moment où tu te maries, tu t'attaches, tu t'engages, tu crées, tu construis, à ce moment-là, il te faut énormément de courage pour réussir. 80,9% des divorces ne sont pas manque d'idéal, de vouloir réussir, ne sont pas manque de bina,
de même de compréhension de tout ce qu'il faut faire pour réussir. Alors pourquoi tu ne réussis pas? Il te manque le ratson. Tu n'as pas la volonté de te battre. Et tu ne le sais même pas. Et donc c'est toujours le problème. C'est pour ça que c'est précisément au moment du mariage que la Torah nous dit « Ta'azov et ta'vicha ve'timecha » Ne reste pas dans le théorique. Maintenant tu descends dans la réalité parce que la vie avec ta femme va t'obliger maintenant à dévoiler et développer en toi la qualité essentielle qui fait d'un homme un homme. Un homme n'est pas un homme parce qu'il est idéaliste. Un homme n'est pas un homme parce qu'il est intelligent. Un homme est un homme parce qu'il a la volonté, la force, le courage de réussir. Nos maîtres disent dans la Kabbalah et la Chassidoute que c'est la raison pour laquelle l'âme est descendue sur terre. Nos maîtres disent, entre dans le Tanya et dans quantité d'autres livres, que en haut, si on peut parler comme ça, la Neshama a de la Chochma et de la Bina à revendre. Elle baigne dans la Chochma et dans la Bina. Elle baigne dans la lumière. Alors pourquoi Hachem fait exactement avec l'âme ce qu'il a fait avec Avraham et ce qu'il demande à un homme? Ta'azov et ta'vicha ve'timecha. Abandonne ton père et ta mère. Ça veut dire quitte le monde de la théorie et descends sur terre pour devenir un homme qui réalise. Et c'est pour ça que l'âme descend sur terre. Elle, au début, elle hurle, elle ne comprend pas. Mais pourquoi tu me fais quitter cette lumière? Parce qu'en vérité, je vais te donner beaucoup plus. La volonté. J'ai souvent expliqué, et je vais le redire d'une autre manière, avec une petite facette de plus, combien de fois j'ai apporté l'exemple d'un bon dirigeant entouré de bons conseillers. Il a un conseiller dans l'économie, il a un conseiller dans les problèmes militaires, dans les problèmes sociaux, etc. Et tous ont fait des études que lui, même dans ses rêves, il n'aurait jamais pu faire. S'il avait essayé, il n'aurait pas réussi. Très bien. Alors la question se pose, pour chaque chose que tu dois faire, tu as des conseillers. Alors pourquoi c'est pas eux qui dirigent le pays? Pourquoi c'est toi qui es le président? Quelle est la réponse? Maintenant vous l'avez compris, plus encore que je l'ai toujours expliqué. Parce que pour diriger un pays, il ne suffit pas d'être intelligent. Il faut avoir de la volonté. Demandez à Bibi aujourd'hui combien de volonté il faut pour tenir contre tous ces malades mentaux, d'accord? Toutes ces ordures qui sont en train de nous reprocher à nous de construire des maisons au moment ou au même moment que le Conseil de sécurité se réunit à l'ONU parce que nous construisons. Au même moment, les Égyptiens sont en train de détruire plus de 500 maisons à Gaza. Et ils ont donné 48 heures de préavis à la population. 500 maisons, sur dans chaque maison, ils sont à peu près 30, 40, 50. Plus de 2000 personnes ont été délogées de force de leur demeure. Il n'y a pas un journal qui en parle. Nous construisons, à tort ou à raison. Je ne leur demande pas de penser qu'on a raison. Attention, je ne demande pas aux Américains d'applaudir. Ils ont le droit de ne pas être d'accord. On a même le droit de se tromper, peu importe. Mais au moment où 2000 hommes, femmes et enfants, on leur détruit leur maison, et vous n'en parlez pas, et vous ne pensez qu'à nous, sales ordures, vous perdez pas pour le payer. Ça veut dire cette haine, cette méchanceté, ces deux poids et ces deux mesures, c'est quelque chose que Hachem ne pourra pas pardonner. Quoi qu'il en soit, donc, ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire que nous avons raison, eux ont tort. Je ne suis pas en train de dire que Bibi et Tansadi, que eux sont des diables. Ça ne m'intéresse pas. Supposons même qu'ils ont raison et que nous avons tort. C'est ce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Oui, mais on ne devrait pas, c'est pas la conjoncture, etc. Mais c'est pas ça le problème. Regarde comment Hachem dirige son monde. Au même moment, il détruit les Égyptiens 500 maisons et personne ne dit rien. C'est contre ça que je me révolte. Pas de poids, de mesure. Pourquoi nous, les Juifs, on est toujours traités comme des chiens? Et encore, alvaille qu'on soit traités comme des chiens. Ils ont plus de dignité que nous au regard d'Obama ou de toute la clique de mafionnaires qui sont là. L'arabe, le problème. Comprenez? Le problème est, puisqu'on parle de l'actualité, quand on détruit 10 000 maisons en Égypte. Pas en Égypte, à Gaza. À Gaza. Gaza, Égypte, pas en Égypte, en Irak, à Gaza, Rafia. En Syrie, peu importe. C'est une affaire intérieure de musulmans. Ici, c'est une affaire entre deux religions.
l'islam et le judaïsme. C'est mais c'est pas ce que Obama dit. Ça, c'est ce que vous vous dites. Mais c'est pas ce qu'eux disent. Eux, mais non, mais moi je ne parle que de eux. Mais moi, ça m'intéresse pas ce que vous vous dites. Moi, je m'intéresse à leur réaction à eux. Si c'était comme vous vous dites. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est au nom de la justice. Au nom du droit international. Parce que tous ceux qui se sont réunis au Conseil de sécurité, 99% d'entre eux ne croient pas en Dieu. Donc c'est pas au nom de valeurs, c'est au nom du droit international. Au nom du droit international, tu n'as pas le droit de construire une maison. Alors je te pose une question, au nom du droit international, de quel droit on a le droit de détruire 500 maisons et donner un préavis de 48 heures, sinon on détruit avec nos bulldozers la maison sur ses habitants? De quel droit? C'est le même droit international. Moi je juge d'après leurs critères à eux. Si vous avez trouvé dans vos livres une raison de nous condamner, comment se fait-il que dans vos livres, vous ne condamnez pas le même jour 500 maisons détruites avec plus de 2000 personnes exclues en 48 heures? Maintenant, je sais que quand ce cours va être écouté, il y a des tas de Français ou qui vont dire quoi? Oh, il est dégagé, c'est pareil, ça s'est pas passé. Ni Le Monde, ni Libération, aucun journal en France n'en parle, personne s'est censuré. Vous imaginez oser révéler une chose pareille, censurer? Par contre, nous, il y en a un qui éternue, le monde entier le sait. Qu'ils crèvent tous. Je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, donc il faut, c'est pour ça que je donnais cet exemple-là, il faut pour être un dirigeant un courage inimaginable. Pour diriger à tort ou diriger à raison, c'est pas le problème ici. Mais quoi qu'il en soit, il faut une force inimaginable. Pour avoir une terre, il faut être capable de se battre pour la défendre. Pour vouloir venir à Jérusalem, pour dire les Shana Abba Yerushalayim l'an prochain à Jérusalem, ça ne me demande pas de force, ça me demande de l'espoir. Ça me demande aussi peut-être de l'intelligence, de me dire oui c'est possible. Parce que de l'espoir, on n'aurait pas traversé 2000 ans d'attente. C'est que le peuple juif savait que Hachem peut, s'il le veut, il peut. On a des preuves dans l'histoire biblique, dans notre histoire, comme des choses incroyables peuvent se passer. Donc on avait la Chokhma, on avait la Bina pendant 2000 ans d'exil. C'est pour ça que pendant chaque Pessah, on a dit les Shana Abba Yerushalayim. On savait que ça serait possible et on ne s'est pas trompé. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de dire les Shana Abba Yerushalayim, d'accord, que de se battre sur sa terre pour la défendre. Et donc la terre nous oblige à avoir du ratson. De la même manière que le mariage oblige l'homme à avoir de la volonté, pour réussir, la terre oblige un peuple et oblige un homme à avoir la force chazak ve'ematz, eretz ratzon. La terre, c'est la volonté. Et donc maintenant, on comprend l'analogie et on va aller un petit peu plus loin. Je fais juste un résumé pour que vous ayez bien compris. Il y a trois qualités essentielles qui font de nous un homme. La première s'appelle Chochma, qui est mon père. L'idéal. Parce que si tu n'as pas d'idéal, tu es comme un chat, tu es comme un chien. Le chien n'a pas d'idéal. Il se lève, il mange, il dort, il se lève, il mange, il dort. C'est quoi ton idéal? C'est quoi tes aspirations? Métro, boulot, dodo, ça c'est une vie de chien, ce n'est pas une vie d'humain. Donc il te faut d'abord le père, l'idéal. Pourquoi on appelle ça le père? Parce que généralement, qui c'est qui transmet à ses enfants l'idéal? C'est le père. C'est du moins ce que le père est censé faire, montrer une direction. La mère, c'est la bina. L'idéal, d'accord, mais comment ça se vit? Il faut la réflexion. La mère, elle est pragmatique. La mère, elle a les pieds sur terre. La mère, elle est capable de prendre une idée et en faire quelque chose de vivant. La graine du père, l'enfant de la mère. Mais tout ça, ça ne suffit pas encore. Il faut la troisième qualité, Ratson. Celle-là, elle vient d'où? De toi. Ton père peut te transmettre des valeurs. Ta mère peut te transmettre l'intelligence dans le sens pragmatique. Mais ils ne pourront pas te transmettre la volonté. La volonté, il n'y a que toi qui peux l'avoir. C'est pour ça que le verset dit « Al-ken ya'azov ish et aviv et imo vedavak be'ishto ». Ce que tu as reçu de ton père et ta mère, très bien, maintenant il faut que tu te construises toi. Où est ta volonté pour réussir avec ta femme? Ou de même, c'est « Mi bet avicha, mi mo la terra », sors de la maison de ton père, sors de la maison de ta mère pour aller vers la terre, je t'indiquerai. Donc ça, c'est les trois qualités. Chochma, on reçoit du père, Bina, on reçoit de la mère, et le Ratson, la dimension terre, on la reçoit de soi-même. En fait, d'Hachem ? Oui, évidemment, tout, même les deux premières. Ça, c'est le facteur indispensable, sinon je vais en parler. Mais je parle par rapport à l'homme. Évidemment que tout est en connexion avec Hachem. Je vais en parler, Davka, tu as raison. Mais je parlais par rapport à l'homme. Deux que je reçois de mes parents, et une que
je fais naître en moi. Celle de mes parents aussi, je vais l'affiner avec ma propre chokhma, avec ma propre bina. Mais au départ, je les reçois. Alors, si j'ai bien compris, mon cher Rabbeinu, il n'est pas entré en Israël, puisqu'on parle entre relations femmes et hommes. Et Moshe Rabbeinu ne devrait pas être le mari de cette terre-là. Moshe Rabbeinu voulait rentrer. Moshe n'a pas pu rentrer. Mais il ne pouvait pas parce que cette terre-là n'était pas, depuis Yemé Bereshit, n'était pas consacrée à lui. Mais c'est l'air. Et il ne devrait pas être son mari. Dans cette vie-là, d'ailleurs c'est intéressant, Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël, mais il s'est aussi séparé de sa femme. Il y a une sacrée relation entre les deux. Inechinami. Moshe, dans cette tranche de vie, parce que n'oublions pas qu'il revient en tant que Mashiach, Moshe, dans cette tranche de vie, n'était pas l'homme de la terre. Il était, si j'ose dire, l'homme du ciel. Ça veut dire que Moshe, son tafkid, c'était de dévoiler la Torah au monde. Maintenant, la faire descendre dans le monde, ce n'était pas son tafkid. Ce n'était pas sa mission, c'était celle de Yoshua. En fait, il aurait pu s'il n'avait pas eu la fausse, mais peu importe. Si. Quand même, il avait beaucoup de ratson, un ratson de folie. Mais c'est pour ça qu'il avait mille fois la capacité au niveau de sa nature de rentrer en Israël. D'ailleurs, grâce à cette question, on touche ici à un autre problème. Des fois, je peux avoir la force, mais ce n'est pas ma mission. C'est pour ça que la Torah insiste, et ça c'est marqué clairement dans les commentaires, Rashi. Pourquoi la Torah insiste pour dire que quand il est mort à 120 ans, il avait le corps d'un jeune homme, Rashi dit, on ne voyait même pas qu'il avait vieilli. Rashi dit pourquoi ? Ne crois pas qu'il est mort de vieillesse. S'il n'y avait pas eu le décret, il pouvait encore vivre des siècles et amener Israël en terre d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rashi veut nous faire comprendre par là ? C'est-à-dire que ne crois pas que lui n'est pas rentré parce qu'il n'avait pas les forces de cette mission. Parce que ce n'était pas sa mission. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre cours. Il y a parfois, effectivement, des cas où on a la force, mais ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est autre chose. Prenons le cas, par exemple, classique, simple, d'un jeune qui est appelé à l'armée. Il a peut-être physiquement une nature qui fait qu'il peut être dans une unité d'élite. Mais il est aussi extrêmement intelligent. Et l'armée en a besoin pour travailler sur les ordinateurs. Et on sait ce que nos soldats font sur les ordinateurs. L'officier lui dit, écoute, tu seras peut-être très très performant en tant que combattant, mais tu sais ce que tu vas apporter dans ton pays en tant qu'ingénieur. Donc, rentre dans les ordinateurs. Ah, mais je veux pas, moi, je veux me... C'est pas ta mission. Tu as la force, mais c'est pas ta mission. On ne te voit pas dans ce domaine-là. On a besoin de toi, là. Mais c'est pas le sujet dont je parle aujourd'hui, qui est juste aussi. Aujourd'hui, je parle du sujet beaucoup plus fréquent, où si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas la volonté de le faire. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et ça, c'est dans 99% des cas. Alvaï, qu'on soit quelqu'un qui aurait voulu... mais qu'on n'a pas pu parce que ce n'était pas notre mission. Ça n'est donné qu'aux justes, ce n'est donné qu'aux grands. Qui veulent tellement faire que des fois, Hachem leur dit « die, ça suffit, c'est pas ton truc, ça. » Mais pour des gens comme nous, dans 99% de nos échecs, c'est pas parce qu'il nous manquait l'idéal, on était sûr qu'il fallait le faire, c'est pas parce qu'il nous manquait la bina, la compréhension, car on savait aussi comment il fallait le faire, pourquoi tu l'as pas fait ? J'avais pas la force. Ça, c'est la majorité des hommes. Donc, Chochma, Bina, Ratson, c'est les trois qualités qui font de moi un homme. Et c'est ce qu'on voit avec Avraham, ce qu'on voit avec Adam. Très bien. Maintenant, essayons d'aller un petit peu plus loin. Puisqu'on parle de l'homme et de la femme, et que si on parle de l'homme et de la femme, on parle forcément de la terre aussi, d'où on le sait, on l'a déjà expliqué, quand Adam et Chava fautent, qui est maudit aussi ? La terre. Qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre ? On a expliqué que quoi ? Qu'il y a un lien. Et aujourd'hui, je voulais démontrer scientifiquement la relation homme-femme est la même relation que homme-terre. Lech lecha, va-t'en, va-t'en. Donc on comprend maintenant pourquoi au début de la Torah, l'homme et la femme ont un problème, c'est la terre qui est maudite. C'est la même notion. Simplement que ça c'est au niveau individuel, homme-femme, et ça c'est au niveau collectif. Nation-terre. La nation est le mari de la terre. La terre est l'épouse de la nation. Donc, si ça ne marche pas au niveau individuel, ça ne marche pas au niveau collectif. Puisque un peuple se fait à partir de millions d'individus. Donc, si les millions d'individus sont détraqués, automatiquement le peuple sera détraqué. Donc, quand Adam et Chava sont détraqués, automatiquement toute la relation du peuple à sa terre est détraquée. La terre est maudite. Mais on comprend ce que ça veut dire maudite. On avance. Nos maîtres disent au sujet de l'homme et de la femme, et puis nos maîtres, le Ari HaKadosh dit, vous savez, j'ai expliqué des milliards de fois,
Quand vient-il que toute l'histoire de la faute de Adam, c'est une faute qui est complètement codée. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de serpent. C'est pas de moi, c'est du Hari HaKadosh. Ça veut dire, il n'y avait pas, tel qu'on le voit dans l'image. En vérité, la Torah, dans son langage pudique, quand elle dit « tu ne mangeras pas du fruit », fait allusion au fait que tu ne t'uniras pas à ta femme. Mais moi, j'ai expliqué des milliers de fois, ça, c'est un Hari HaKadosh que nos enfants de 6 ans y connaissent. Donc en vérité, ça fait allusion au fait quoi ? Même l'allusion est encore codée, mais ça fait allusion à quoi ? Ça fait allusion au fait que quoi ? Que Adam et Chava ont été créés, selon les images et les codes bibliques, le sixième jour. Et Hachem a dit à Adam, d'accord, tu ne mangeras pas du fruit qui pour l'instant est défendu, c'est-à-dire tu ne t'uniras pas à ta femme, attends d'abord de rentrer dans le Shabbat, et Shabbat tu t'uniras avec elle, je ne veux pas que tu t'unisses à elle vendredi. Dans un temps qui est encore profane, je veux que la première union se fasse dans un temps sacré. Bien sûr, ça veut dire sacré. On va expliquer. Lui, il n'a pas pu attendre. Et en vérité, le Nahash fait allusion à son désir incontrôlé de s'unir à elle. Tous ces personnages, il n'y avait pas de serpent non plus, d'après le Hari HaKadosh. Tous ces personnages sont en vérité les mêmes. Et le Nahash, c'est la voix en lui qui lui disait « N'attends pas, unis-toi à elle maintenant. » Et il a craqué, il s'est uni à elle vendredi, il n'a pas attendu le Shabbat, et ça les a tués. C'est-à-dire le couple est mort. C'est pour ça qu'en quoi on voit que le couple est mort ? Il s'est séparé d'elle après pendant 130 ans, comme c'est marqué dans la Torah. Il ne s'est uni à elle qu'après 130 ans où ils ont eu un troisième fils qui était Chet. Pendant 130 ans, il l'a pu toucher. « Je t'ai touché trop vite, je ne te touche plus du tout. » Les extrêmes, toujours le boomerang. Et après la faute, mais... ils prennent conscience qu'ils sont nus. Comment ? Après la faute, ils prennent conscience qu'ils sont nus. Avant, ils n'ont pas conscience. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Il a pris conscience qu'il ne voulait aller avec elle que pour son corps. C'est ce que ça veut dire. C'est le décodage en français. Avant, ils avaient nu, ils n'avaient pas honte. Tant qu'ils n'avaient pas expérimenté la sexualité d'une manière défendue, ils n'avaient pas honte de leur corps. À partir du moment où ils ont expérimenté la sexualité d'une manière défendue, ils ont eu honte de leur corps. Waouh, on est capable de faire ça avec un corps. Ils ne savaient pas, c'était leur première expérience. Dans leur contexte, l'interdit, c'était quoi ? C'était pas une autre femme, c'était pas un inceste, c'était une relation dans un temps interdit. Si vous voulez, comme pendant la période. C'est pour ça que le Zohar dit explicitement, dans son langage codé, que la faute d'Adam... c'est la même faute que la faute de Nida. Ça veut dire, c'est comme s'il avait été avec elle pendant qu'elle était interdite. Elle n'était pas interdite physiquement, elle n'était pas en période de règles. Mais c'est le même esprit. Il l'a prise à un moment où il n'avait pas le droit d'être avec elle. Alors, je ne vais bien sûr pas expliquer le rapport entre l'arbre, les fruits, la relation, le serpent, le mauvais penchant. Ça, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Non, mais tout le monde peut comprendre. Il faut avoir une distance. Comment ? Par rapport à la terre aussi, par rapport à ce que vous dites. Il y a une distance par rapport à... Mais c'est la Shemitah, c'est l'année dans laquelle on est. On va y arriver, bien sûr, tu as tout compris, évidemment. Et donc, on va essayer de creuser un petit peu plus. Parce que bon, il est bien gentil, le Hari HaKadosh. Il n'avait pas le droit de s'unir avec elle le vendredi. Et il devait s'unir avec elle le Shabbat. Et pourquoi ? On peut comprendre un petit peu, parce que le Shabbat, c'est plus Kadosh, c'est plus saint que le vendredi. D'accord, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Ribono Shel Olam. Je veux dire... pourquoi le maître du monde lui a fait un coup pareil ? Il savait très bien que face à Chava, il ne tiendrait pas plus que 5 minutes. D'où je le sais ? C'est nos maîtres qui le disent. Nos maîtres disent que toutes les femmes du monde jusqu'aujourd'hui, tant pis pour eux, celles qui se croient belles, par rapport à Sarah, c'était comme des guenons par rapport à un humain. Et Sarah, elle était comme une guenonne par rapport à un humain face à Chava. Évidemment, une créature divine, c'est forcément... de la lumière à l'état pur, pour une manière de parler. Ça veut dire que, Sarah a été la plus belle de toutes les femmes du monde. Toutes les femmes qui vont venir après elle sont comme une guenon par rapport à une femme humaine. Mais Sarah elle-même était comme une guenon par rapport à Chava. Ça veut dire, on peut comprendre qu'il n'a pas tenu. Tu lui donnes une lumière pareille et tu veux qu'il se retienne. Enfin, vas-y, mais c'est une plaisanterie pour ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors le Hari HaKadosh explique, bien sûr, c'est lui qui nous livre ce secret, il va forcément qu'il l'assume, il doit être responsable de ce qu'il nous dit, pas nous lâcher comme ça. Il met en relation un mot de la Torah, dit au sujet du premier Shabbat, et un enseignement de nos maîtres.
Rappelez-vous le cours sur Vayuchulu Hashamayim Vaharetz. Ont été terminés le ciel et la terre, qui est la première phrase du Kiddush. Qu'est-ce que nos maîtres expliquent ? Vayuchulu Milashon Keli. Le monde est devenu réceptacle. Première lecture de traduction. Le monde a été terminé. C'est celle que malheureusement va recevoir celui qui ne connaît pas l'hébreu. Mais nous qui connaissons l'hébreu, Vayuchulu, le monde est devenu Keli. Le monde est devenu réceptacle. Qu'est-ce que signifie que le monde est devenu réceptacle ? Ça fait surtout allusion à la terre. Et là, on revient à ce que tout à l'heure tu as dit, quand où est Hachem là-dedans. Ça veut dire que effectivement, la terre, c'est le monde de la volonté. Mais pour pouvoir véritablement construire cette volonté au point que rien ne pourra t'arrêter, et surtout lorsqu'il s'agit de la volonté qu'un juif doit avoir, et surtout lorsqu'il s'agit de la volonté que le peuple juif doit avoir, parce que le peuple juif est le seul peuple sur terre qui a tous les peuples contre lui. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la construction et de la destruction. Mais si le maître du monde ne pouvait pas mieux faire pour illustrer mon cours que cet exemple-là, en pleine parchat Lech Lecha, c'est l'un des plus grands scandales de la planète. On construit des maisons et on est condamné au conseil de sécurité. Il détruit 500 maisons et personne n'en parle. Mais donc, il faut donc une volonté inimaginable, surnaturelle, pour se battre contre des ennemis dont la haine est elle-même surnaturelle. Et qu'est-ce que nous dit le maître du monde ? Vayuchulu. Ça veut dire que pour recevoir cette force, il faut que tu la reçoives du maître du monde. C'est ça le Shabbat. Shabbat, qui comme vous le savez, vient du mot la chouve, revenir. Quand l'homme revient vers sa source, alors à ce moment-là, il devient un réceptacle, un keli, qui lui permet de recevoir ces forces inimaginables qui vont lui permettre de réussir. Vous me direz, mais pourquoi il faut recevoir les forces d'Hachem ? On voit des tas de gens qui n'ont pas de volonté, on voit des tas de gens qui ne sont pas croyants, on voit des peuples qui sont laïcs et qui pourtant ont de la force et de la volonté. Mais le problème, c'est qu'effectivement, mais pas l'humanité tout entière veut détruire les Américains. Jamais les peuples, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les peuples n'ont jamais pensé exterminer l'Allemagne, même quand ils avaient la victoire. Aucun peuple n'a jamais pensé exterminer un autre. À plus forte raison que jamais dans l'histoire, tous les peuples ont pensé en exterminer un autre. Donc comme on est devant un phénomène complètement surnaturel qui n'a aucune référence dans l'histoire humaine, il te faut pour aller traverser une telle épreuve des forces surnaturelles. C'est pour ça que la Torah nous dit, et c'est pour ça que seulement nous, juifs, avons reçu le Shabbat. Les autres peuples n'ont pas besoin du Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'elles ne vont pas être confrontées à des problèmes surnaturels. Jamais personne ne va leur dire, on va vous exterminer. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire humaine qu'un peuple veuille en exterminer un autre. Jamais. Jamais. C'est arrivé, les Américains ont exterminé les Indiens, c'est vrai. Le problème, c'est que les Indiens, ils n'étaient pas reconnus comme peuple à l'ONU. Mais à partir du moment où tu es reconnu comme peuple, jamais on pense à t'exterminer. Nous sommes le seul peuple sur Terre reconnu à l'ONU que l'on pense exterminer. On a son gouvernement. Voilà. Et donc, non, ils n'étaient pas reconnus comme peuple. C'est justifie pas. Ils étaient, non, justifie pas ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas reconnus comme peuple. Pour l'instant, le monde n'a exterminé que des populations qui n'avaient pas encore un statut de peuple. Ça ne justifie rien et en rien le massacre. Mais ça justifie à leurs yeux leur méchanceté. Il dit oui, mais bon, ils n'existent pas vraiment ceux-là. Mais un peuple reconnu par la famille des nations comme étant un peuple avec une terre et des frontières reconnues que l'on pense exterminer et que le monde se taise, ça n'a jamais existé dans l'histoire humaine. Nous sommes le seul à qui, avec lequel c'est possible. Aujourd'hui, des tas de nations qui sont à l'ONU, qui font partie du Conseil de sécurité, disent clairement qu'elles vont nous exterminer. Et personne ne dit, mais c'est pas légal, c'est contraire aux lois du monde, elles ne sont pas exclues de l'ONU. Et nous, on éternue et on est exclu de l'ONU. Ou on veut nous exclure de l'ONU. Donc, comme on devait être confronté à un problème qui est complètement surnaturel, on a reçu le Shabbat. Et le Shabbat, c'est la capacité que nous avons, nous, peuple juif, de revenir à notre source. Et quand on revient à notre source, on reçoit des forces complètement surnaturelles qui font que ce petit peuple arrive à tenir tête au monde entier et ne pas disparaître, traverser
l'obscurité, et se retrouver de l'autre côté du tunnel, et quand il tourne la tête, il s'aperçoit que tous ceux qui voulaient le détruire sont eux-mêmes aujourd'hui détruits. Et lui, il continue. Ça, c'est la leçon du Shabbat. Alors maintenant, on va revenir à la femme et on va comprendre. D'abord, d'une manière très simple. Le Ari HaKadosh dit que c'est le même problème au niveau de la femme, d'abord au niveau d'un couple. Je fais jouer à la fois sur la terre et sur le couple. Nos maîtres disent dans le Talmud, « En Aïcha koretet brit, ela lemiche ose ota keli. » Incroyable, le même mot que dans Vayechulou. La femme ne s'attache, ne se donne, ne se lie qu'à celui qui est capable d'en faire un réceptacle. Ça veut dire quoi ce secret? Tous nos maîtres disent que dans cette phrase-là est cachée toute la sagesse du Shalom Bayit. Ça veut dire qu'on peut disserter des milliards d'années sur cette phrase-là et à chaque fois déduire et déduire et déduire encore un enseignement. C'est la force des maîtres. En une phrase, ils disent tout. La femme ne contracte une alliance qu'avec celui qui sait la faire, Keli, Bayuchulu, ça qu'on appelle Kala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en bon français, très simple, la femme ne s'attache qu'à celui qui lui apporte quelque chose. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu m'apportes pour que je me donne à toi? Qu'est-ce que tu m'apportes? Excusez-moi la comparaison, même une prostituée, pour qu'elle se donne à toi, il faut la payer. Il n'y a pas de gratuité dans le don de la femme. La différence entre l'épouse et la prostituée, c'est que la prostituée, ça lui suffira 50 shekels ou 50 euros, peu importe. Tandis que la femme, il faut que tu lui donnes beaucoup, beaucoup plus. C'est l'homme qui est objet. Non, au contraire. Mais il doit donner. C'est tout le contraire. Mais c'est qu'est-ce que tu me donnes dans le sens, qu'est-ce que je reçois de toi, en quoi tu me construis? Qu'est-ce que j'ai à vivre à tes côtés? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça m'apporte? Maintenant, le « qu'est-ce que ça m'apporte » sera le même pour toutes les femmes. Si un homme n'est pas méritant, il aura une femme qui lui dira « qu'est-ce que tu m'apportes ?» D'accord, ça sera une prostituée permise. Comment ? Réga, c'est ce que j'explique. Ça sera une prostituée permise. Pourquoi ? Parce que c'est une prostituée. Qu'est-ce que tu me rapportes ? Mais, un niveau un peu plus haut. Je plaisante, bien sûr. Vous savez comment je parle de manière excessive. Donc, si l'homme n'est pas méritant, il aura une femme qui lui dira « qu'est-ce que tu m'apportes ?» Si l'homme est méritant, il aura une femme qui lui dira « en quoi tu me construis ? Qu'est-ce que tu m'apportes comme bonheur ? En quoi tu remplis ma vie ? J'attends de toi quelque chose. Je veux être une femme heureuse. En quoi tu me rends heureuse ?» Ça, c'est l'exigence de la femme. C'est intéressant. Nos maîtres ici décrivent la nature de la femme qui ne semble pas être celle de l'homme. Je ne vais pas rentrer maintenant dans un grand discours sur les natures masculines et féminines dans un couple, mais il semblerait que l'homme, ce n'est pas ça ce qu'il attend de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'attend pas quelque chose d'aussi important, si pas plus. Mais ce n'est pas ça son attente. Mais la femme, oui. D'ailleurs, on le sait tous. On est tous mariés depuis de nombreuses années. On a tous des femmes normales. Donc, ce n'est pas « qu'est-ce que tu me donnes ?» C'est ça une femme normale. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a besoin plus que tout, la femme? De l'attention. C'est rien. 1000 bijoux, 1000 diamants ne pourront pas donner à la femme, pour nos femmes à nous, qui sont des femmes humaines, normales, ce qu'un peu d'attention est capable de donner. Une attention répétée, évidemment, c'est pas une fois tous les 10 ans. De l'attention. Pourquoi? Ce que disent nos maîtres. Qu'est-ce que tu me donnes? Et ça, c'est impossible d'y échapper. Oui. Donc maintenant, on comprend pourquoi nos maîtres disent « En Aïcha koretet brit, ela lemiche ose ota keli » Si tu as un problème avec elle, c'est que tu ne lui apportes rien. Elle n'a pas besoin de toi. Parce que pour ce que tu lui donnes, elle peut le trouver ailleurs. Et c'est à ce moment-là, ça commence à s'effriter. Et ça, l'homme n'est pas conscient pourquoi. Parce que comme lui, c'est pas ça vraiment ce qu'il recherche chez elle. Il n'est pas conscient qu'en vérité, elle lui demande quelque chose que lui ne connaît pas, parce que lui, il n'est pas dans cette situation-là. C'est pour ça que je dis toujours que l'homme doit s'habituer à être une femme pour réussir avec sa femme. Il faut être très efféminé pour réussir avec une femme. Il faut penser femme pour réussir en tant qu'homme. C'est ça le paradoxe. Et comme on ne réfléchit pas femme, on réfléchit homme, je veux dire, moi, je ne suis pas toujours là de demander de l'attention, arrête! Mais oui, mais elle, c'est une femme.
Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que dit le Ari Akadosh? Il va expliquer maintenant quelle est la faute. Il fallait, d'abord dans le langage du Ari Akadosh, Adam aurait dû attendre le Shabbat. Elle serait devenue Keli, Vayechulo, parce que le Shabbat a porté cette dimension du Keli. Et lui, il l'a pris le vendredi, quand elle n'était pas encore en état de Keli, elle n'était pas encore réceptacle, parce que la première fois que le monde s'est transformé en réceptacle, ça a été le premier Shabbat. Elle était Kala, mais pas Keli. Non, elle était ni l'un ni l'autre, il n'avait pas le droit de la toucher. Les jours mêmes. Non, elle a été créée, mais justement, elle devait se marier le Shabbat. C'est ça le chidouche. Elle n'était pas Kala. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, après je vais décrypter bien sûr, jusqu'à présent Hachem avait créé le monde, mais n'avait pas encore créé dans le monde sa volonté de devenir réceptacle, recevoir de sa source. Donc la femme, à ce moment-là, pour encore une fois rester dans les codes du Ari Akadosh, la femme était une créature qui ne ressentait pas la possibilité ou le besoin ou le désir de devenir Keli. D'ailleurs, on le voit dans la relation avec Adam. Elle n'a pas du tout une relation d'épouse, elle a plutôt une relation de commandant et de chef. Viens ici, toi, ouvre la bouche, prends, tac. D'accord? Ça veut dire, c'est pas du tout l'épouse telle qu'on la conçoit dans nos rêves, bien sûr. En réalité, elles sont un petit peu toutes comme elles, puisqu'on est tous après la faute. Mais c'est pas la femme qu'on s'attend de voir, surtout une créature divine. Il n'a pas son mot à dire. Il n'ose même pas ouvrir la bouche pour lui demander « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Parce qu'il s'est dormi, ce qui va lui arriver s'il ouvre la bouche. Elle lui dit « Viens ici !» Alors que lui, il a entendu directement de la bouche d'Hachem « Si tu manges, tu meurs. Viens, ouvre la bouche, ferme les yeux, hop !» Et puis après, on voit que c'est un faible, il a tellement peur. « Qu'est-ce que t'as fait ? C'est pas moi, c'est elle. » On lui dit « Mais qu'est-ce que c'est ce Adam-là ? Tu l'as pas laissé devenir Keli, elle attend rien de toi. Et maintenant, tu vas le payer très cher. C'est ça la mort d'un couple. » Un couple meurt à partir du moment où la femme s'est mise en tête qu'elle n'a plus rien à espérer de son mari. À un niveau très haut, c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ne la prends pas maintenant, tu vas mourir, parce que maintenant elle ne va pas te reconnaître en tant que mari. Elle n'a pas en tête que tu peux lui apporter quelque chose. Elle va se dire, pourquoi il me touche celui-là? D'accord. Qu'est-ce que tu me donnes? Avec quoi tu vas l'acheter? Pourquoi elle se donnerait à toi? Là, on comprend que le Zohar dit une chose folle. Qu'en vérité, la relation entre Adam et Chava, ça a été comme un viol. Où ils ont vu qu'il y avait comme un viol? Non, ce n'était pas un viol physique, c'était un viol psychologique. Elle a accepté de se donner à lui, mais elle ne savait pas trop pourquoi. Pourquoi je me donnerais à toi? Un viol, comme on le sait, ce n'est pas que physique. C'est surtout et essentiellement psychologique. Le sentiment que finalement, pourquoi? Elle s'est sentie violée comme elle. Mais de quel droit il vient chez moi celui-là? Qui il est? Hachem lui avait dit, attends Shabbat. Shabbat, je vais donner à mon monde les forces d'être Keli. Et surtout à la femme, je vais lui donner cette conscience qu'elle a quelque chose à recevoir. Et toi, tu pourras lui donner. Lui, il s'est précipité, il a pris son corps, il n'a pas pris son âme. Ça lui a explosé à la figure. À chaque fois que dans un couple, ça explose, il faut chercher d'abord dans cette direction-là. Quand vous êtes ensemble, c'est les corps qui sont ensemble ou les âmes qui sont ensemble? Amevin Yavin. 99,9% des problèmes de couple commencent le jour où la femme a le sentiment qu'on lui prend son corps, mais qu'on ne s'intéresse pas à son âme. Et même si c'est consentant avec le sourire, elle ne le dira jamais, jusqu'au jour où ça explose. Pourquoi tu n'as pas été foutu de la construire au niveau de son âme? Et ça, un jour, elle te le fera payer très cher. D'ailleurs, oui. même après les Chachamim, qui n'ont pas parlé, qu'Adam a été marié deux fois, avec Lilith la première, et après... C'est ça le décodage. Même avec Lilith, il y avait un problème sexuel avec elle. Mais c'est exact, le Ari Akadosh, Lilith, elle n'a jamais existé. C'est Chava, c'est les deux dimensions. Chava, mais c'est exactement mon cours. Chava, vendredi, s'appelle Lilith. Chava Shabbat s'appelle Chava. C'est ça le grand secret du Ari Akadosh. Appréciez mes amis, ça vaut des milliards. En réalité, c'est pas comme tous les idiots pensent, il y avait deux femmes, il louait. Non. Ça veut dire que vendredi, elle était en état de Lilith. Ça veut dire qu'elle n'était pas prête à se donner. C'était pas le moment.
C'est comme une femme qui a ses règles. Pourquoi t'aurais interdit avec une femme qui a ses règles? Pourquoi? Parce que tout le monde le sait. La femme elle-même le dit. J'ai pas ça en tête à ce moment-là. Lâche-moi. Laisse-moi. Et si Chas v'Shalom le mari va avec elle à ce moment-là, elle se sent violée, elle lui dira pas. Dans le monde occidental, ça se dit pas. On joue même le jeu. Mais la femme se sent terriblement violée à ce moment-là. C'est impossible. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux possibilités. Ou ça sera le divorce, ou ça sera chambre à part à partir de 20 ans de mariage. Mais comme dans la plupart des cas. Un instant. Donc en vérité, c'est ça ce que nous révèle le Zohar. Elle était dans un état de Lilith. Et d'ailleurs, qu'est-ce que veut dire le mot Lilith? Nuit. Ça fait allusion à quoi? À la coucherie. On couche avec elle, c'est la nuit, on couche. Elle s'appelait Lilith, elle était bonne qu'à coucher. Il ne l'a pas pris comme une femme respectable que tu construis essentiellement au niveau de son âme. Et ça a été ça le problème. C'était la même. Elle avait deux noms. Elle en a eu trois en vérité. Elle s'est appelée d'abord Lilith, après Isha. Et d'abord Isha, après Lilith et après Chava. Sauf que le phénomène Lilith, c'est le Riyakadosh qui le révèle. C'est dans la Torah chez Béalpé. Parce que c'est un des plus grands secrets de la relation entre un homme et une femme. Ça pouvait être que nos maîtres qui le révèlent. Chacun d'entre nous peut vivre avec une Lilith aussi. Si tu ne fais pas attention à son âme, à ce qu'elle veut véritablement, eh bien, tu es avec Lilith. Et qu'est-ce qu'elle fait, Lilith, dit le Riyakadosh? Elle tue celui qui a eu un rapport avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force d'aller avec ta femme, sans qu'elle le veuille vraiment, parce qu'elle te reproche de ne pas la construire, un jour, ça va t'exposer à la figure. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a compris ce qu'il avait fait, il s'est séparé d'elle pendant 130 ans. Il a dit, je ne te touche plus jusqu'au jour où je sais que maintenant je peux t'apporter quelque chose. Pendant 130 ans, il a fait teshuva. Il s'est construit en tant qu'homme, capable d'apporter quelque chose à sa femme. Ils ont eu nouveau une relation et sorti Chet, toute la lignée jusqu'au Messie. René? Mais avant de dire les droits des hommes, il devrait à sa femme, c'est on attaque sous ton zonata. Oui. Ça, on donne, mais ça, c'est matériel, c'est mamash gashmi. Alors pourquoi ne pas... Quand vous le comprenez, mais dans chacune de ces choses-là, bon. C'est comme le corps. Quand tu vois un homme, tu vois son corps, tu ne vois pas son âme. Mais on sait tous que l'essentiel, d'accord, c'est là. Alors pourquoi il n'ajoute pas encore C'est tout le travail de la Torah chez Béalpé, qui est l'âme de la Torah, de dévoiler le sens profond des versets. C'est pour ça que nos maîtres disent « En Aïcha korete brit, el alemiche oseota keli ». Nos maîtres nous ont révélé. Qu'est-ce que tu lui apportes? Un keli, c'est fait pour être rempli. La femme, c'est un keli. Son exemple, qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu me donnes? Alors le problème, c'est que si tu vis avec une femme animale, tu lui donnes un diamant, elle se tait. Très bien. Mais le problème, c'est que toi, tu vas le payer toute ta vie d'avoir une femme pareille, parce que tu vas rester toi-même un animal. Et si tu as une femme comme nous avons, qui se fout royalement de tes diamants, d'accord, ce qu'elle va vouloir, c'est que tu la construises. Et qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui donnes? Son vrai diamant, c'est le bonheur que tu vas lui donner. Il est où ce diamant-là? Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas une femme qui ne vient pas avec un keli. Qu'est-ce que tu me donnes? Et quand on est des gens comme nous qui ne pourront tomber que sur de vraies femmes, on a un sacré problème. C'est que si on ne remplit pas notre mission de donner, on est fichu. C'est la question de Nathan, je viens de répondre. Il y a Torah Shibirtav, Torah Shibalpé. Ketouba, c'est Torah Shibirtav. Mes amis, on est juifs, on n'est pas... On a une Torah Shibirtav, une Torah Shibalpé. On a un corps et on a une âme. C'est justement pour ça que tous ceux qui n'ont pris que le texte écrit sont devenus des fausses religions. Grâce à Dieu, nous avons la tradition qui nous explique le sens profond du verset. De la même manière que l'âme est cachée dans le corps, on ne la voit pas. La compréhension du texte écrit est cachée dans le texte écrit, il faut nos maîtres pour le dévoiler. Non, maintenant je continue. Je continue. Je reviens maintenant à ce que j'explique. En attendant Shabbat, c'est la suite du cours. Donc s'il avait attendu Shabbat, ça veut dire que si lui et elle étaient rentrés dans le Shabbat, ça veut dire qu'il avait été rentré dans ce processus de retour, de comprendre le sens profond de l'existence, et l'homme aurait été capable à ce moment-là d'apporter quelque chose de profond à sa femme. Et elle, sentant qu'elle peut recevoir quelque chose de profond de son mari, aurait accepté de devenir son keli, à ce moment-là, ça aurait été un couple de vie. Mais comme ils se sont unis avant, elle l'a ressenti comme un viol. C'est ça l'image du serpent. Elle voyait son mari comme un serpent, comme un animal abject qui se jette dessus et ça la souille. Et c'est pour ça que nos maîtres disent,
que le serpent a fait rentrer en elle une zoama, une souillure. Le Ariakad, ça c'est le Talmud. Le Zohar dit, le Ariakad dit, que lorsqu'il s'est uni à elle, elle a senti en elle sa semence comme du venin de serpent. Et le Ari Akadosh révèle ici quelque chose d'absolument inimaginable. C'est même pas, la femme n'est même pas consciente. À chaque fois qu'elle a un rapport avec son mari qui n'est pas 100% voulu, elle se sent souillée, elle se sent sale comme une femme violée. Et elle ne le dira jamais à son mari jusqu'au jour où ça lui expose à la figure. Et c'est trop tard. Donc la vérité, on est vraiment devant un arbre défendu. C'est très, très, très dangereux le mariage. C'est très, très dur. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous baissons les bras. Parce qu'on sent que l'exigence est tellement énorme qu'on sait qu'on n'y arrive pas. Et si on est comme Adam, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas moi, c'est elle. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu que ça n'a pas marché alors qu'il était le seul responsable? Il a dit, c'est pas moi, c'est elle. Maintenant, vous comprenez. Et maintenant, vous comprenez pourquoi... Un instant. Pourquoi? Je vais expliquer, c'est facile. Pourquoi on appelle ça la faute de Adam alors que c'est elle qui a tout fait? Parce que décrypté par le Ari Akadosh, ce n'est que sa faute. Pourquoi elle enfantera dans la douleur? Mais c'est évident. Ça remonte à la racine même du processus psychologique. Quand une femme reçoit une semence qu'elle ne voulait pas vraiment, eh bien, automatiquement, au plus profond de son subconscient, elle n'en est même pas consciente, eh bien, automatiquement, tout est douloureux. Et tout ce qu'on vit sans le vouloir vraiment, c'est douloureux. Et pourquoi nos maîtres disent, peu importe si c'est vrai dans la réalité ou pas, mais le concept est certainement vrai, que les tzadekettes, elles, enfantent dans la facilité? Parce que c'est quoi une femme tzadika? C'est quoi? C'est une femme qui désire son mari. Et donc, automatiquement, elle n'a aucun problème à recevoir, aucun problème à donner. Okay. Donc, le concept est vrai. Tu enfanteras dans la douleur, pourquoi? Au contraire, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous confirmez le cours. Quel kesher, mais quel rapport? Quel rapport entre la faute et enfanter dans la douleur? C'est la preuve que le Ari Akadosh a raison, mais quel rapport? Puisque justement, apparemment, ce n'est pas un problème de rapport. Mais d'après l'Ari Akadosh, tout est compréhensible. Il y a eu un rapport entre eux qui n'était pas vraiment désiré par la femme. Elle ne le voulait pas. Et donc automatiquement, cet enfant, au fond d'elle, elle ne le veut pas vraiment. Elle le vit dans la douleur et elle l'enfante dans la douleur. Elle n'est même pas consciente du mécanisme. Mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc c'est bien la preuve que tout était un problème ici de relation. Oui. On continue. Alors maintenant, quel est le rapport avec le Keli? On a expliqué. S'il avait attendu le Shabbat, il serait devenu un homme profond. Elle serait devenue un réceptacle. Et ça aurait été le couple de la vie. Donc elle devait devenir réceptacle. Quel est le rapport avec la terre maintenant? Eh bien, la terre aussi, il faut qu'elle soit Keli. Qu'est-ce que signifie le fait que la terre doit être Keli? Eh bien, c'est l'année dans laquelle nous sommes. Veshavta Haaretz, Shabbat, l'Hachem. La terre reviendra à Hachem tous les 7 ans. Ça veut dire quoi concrètement, la terre revient à Hachem tous les 7 ans? Vous rappelez ce cours que pratiquement est le début du cours de chaque année Parshat Be'ar? On nous dit dans Parshat Be'ar, et voici la loi que Hachem a donnée sur le mont Sinaï. Et on énumère toute la loi de la Shemitah de la 7e année, le travail de la terre, les interdits, etc. Rashi pose la question ainsi que tous les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici la loi que Dieu a donnée sur le mont Sinaï. Il n'a pas donné que cette loi, il en a donné 613 pendant les 40 jours où Moshe était sur le mont Sinaï. Pourquoi celle-là? Les commentaires expliquent, parce que celle-là est l'âme de toutes les autres. Toute la Torah n'a été donnée aux Juifs que pour ramener la terre à Dieu. Ça veut dire quoi, ramener la terre à Dieu? C'est l'histoire du Shabbat. Ça veut dire quoi? De faire de la terre un Keli. Et ça veut dire quoi, faire de la terre un Keli? On va expliquer maintenant un peu plus. Ça veut dire que tu vas vivre en tant que nation sur ta terre en étant capable de recevoir les forces dont tu as besoin d'Hachem. Et c'est pour ça que dans le passage de la Shemitah, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il Hachem à Haaretz. Parce que la terre appartient à Hachem. Ça veut dire quoi, la terre appartient à Hachem? Ça veut dire que seul Hachem est capable de donner au peuple qui vit sur cette terre les forces d'y rester. Sans Hachem, impossible pour nous de rester sur la terre d'Israël. C'est même pas la peine de commencer. Impossible. Et à chaque fois que dans son histoire, Israël a essayé d'être ici sans Hachem,
Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce que c'est la répétition de la faute de Adam Harishon. Si tu la prends avant qu'elle ne soit Kelly, elle va t'exploser à la figure. Traduit dans le langage d'un peuple, puisque c'est la Torah qui fait la comparaison. Si mon peuple, vous vous installez sur cette terre avant qu'elle ne soit Kelly, il va y avoir un problème de Shlambait. Elle va vous rejeter. Et la terre vomira ses habitants. Pourquoi? Parce qu'elle vous sentira comme une agression, elle vous sentira comme des violeurs. Et quand elle pourra, elle vous rejettera. Donc il faut la faire Kelly. Et comment on la fait Kelly? En la ramenant à Hachem. Et comment on la ramène à Hachem? Tous les 7 ans, le Shabbat de la terre. Ça veut dire quoi plus profondément? En vivant sur cette terre, toujours rattaché à sa source. Parce qu'évidemment, le 7e jour, c'est un symbole, c'est un message réel, mais comme on dit que les 6 jours de la semaine sont bénis par le Shabbat, eh bien les 6 années qui précèdent ou qui suivent sont bénies par la Shemitah. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit, la Shemitah, que constamment sur cette terre, la nation se rappelle que sa seule et unique source d'inspiration, c'est le maître du monde. Pour relier ce que je dis au cours qu'on a donné hier, pourquoi la Torah va tellement loin quand elle dit qu'on n'a pas le droit d'écouter un dirigeant lorsqu'il va contre la Torah? Ça n'est pas indigne de Moret de Malchut. Et pourquoi on a vu hier que même si au nom de la Torah je vais contre le dirigeant et je me trompe et c'est lui qui a raison, malgré tout je n'ai pas un statut de Moret de Malchut. Comment c'est possible? Et pourtant je me suis trompé. J'ai fait toute une histoire pour rien. J'ai mis en danger le roi pour rien. Mais pourquoi la Torah malgré tout pardonne? Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que notre peuple ne peut en aucun cas réussir à rester sur cette terre sans la Torah. Et donc mieux vaut une erreur de ce type, que je te pardonne même si tu t'es trompé avec la Torah, mieux vaut une erreur de ce type que l'erreur la plus fatale de dire, bon ben, on peut être une nation comme les autres sans Torah, un point, c'est tout. Après tout, les Américains n'ont pas la Torah, ils réussissent. Et donc, on pourrait imaginer que, ou on pourrait imaginer, comme le font les Occidentaux, que la Torah, oui, mais à l'église, à la synagogue, ce qui est la même chose, mais l'État se dirige selon les lois de l'État, qui ne sont pas forcément les lois de la Torah. C'est pour ça que la Torah nous dit non. Les lois de l'État sont soumises aux lois de la Torah. Et même si celui qui va contre les lois de l'État, au nom de la Torah, se trompe, malgré tout, il sera pardonné. Oui. Où est le ratson là-dedans pour en faire le cas? On a parlé du ratson que l'homme il doit avoir quand il quitte, c'est-à-dire pour la femme ou pour la terre. C'est la suite du cours, bien sûr. Nos maîtres disent sur le verset Helu Gibure Kohar. Hashem, je ne sais plus exactement quel est le verset. Voici les Gibure Kohar, les héros d'Hachem, les forts d'Hachem, les forts de Dieu, qui se tiennent dans sa cour, au cime des Varo et qui font sa parole. Nos maîtres disent dans le Talmud, c'est qui les Giborim d'Hachem qui se tiennent dans sa cour et qui font sa parole? C'est ceux qui respectent la Shemitah. Ils sont appelés les Giborim. Pourquoi? Parce que bon, pour nous aujourd'hui, la Shemitah, ça ne veut plus malheureusement dire quoi que ce soit, parce que ne serait-ce que parce que vivant dans un monde où l'économie est fondée sur la technologie et plus sur le travail et l'agriculture, on a plus de difficultés à comprendre, mais je vais malgré tout le moderniser après. Mais prenez dans le contexte biblique, 99,9% de l'économie d'un pays, c'est l'agriculture. Chacun, son travail, c'est son champ, c'est son jardin, c'est sa parnassa. Après, tu peux rajouter d'autres choses, mais chacun a d'abord la parnassa de son jardin, comme c'était le cas du monde jusqu'à, même du monde moderne, jusqu'à encore 200-300 ans, et c'est encore le cas dans beaucoup de pays. Donc, j'imagine, pendant un an, tu arrêtes tout. Tout le pays arrête tout pendant un an. Vous me direz, bon, mais c'est pas seulement ça. Tu arrêtes tout, mais les arbres, ils portent des fruits. Les terrains, ils sont cultivés. Et la 6e année, tu as travaillé. Tu as l'obligation d'ouvrir tes champs et tout le monde peut rentrer et se servir. Et tu ne peux empêcher personne. Ça veut dire que ça ne t'appartient plus.
ça appartient à Hachem et il le donne à qui il le veut. C'est-à-dire les gens rentrent, ils prennent des échelles, ils montent sur tes arbres, ils cassent des branches, ils prennent des fruits, ils marchent sur tes trucs de tomates, parce que bon, il faut pas imaginer que chacun vient avec le DRRS, on est en Israël, on n'est pas en France, hein, je veux dire. Donc, vous imaginez. Et toi, t'es là, tu serres les dents, t'as envie de les flinguer, tu te tais. Pourquoi? T'es pas le propriétaire. Pendant un an, t'es pas le propriétaire. Nos maîtres disent, la difficulté de la Shemitah, c'est pas tant le fait que tu ne travailles pas la terre, c'est ce sentiment qu'on t'a dépossédé de ta propriété. Et il n'y a rien de plus dur pour un homme quand il a trimé, sué pour avoir quelque chose, proprement, honnêtement, sans faire de mal à personne, c'est à lui, mais on lui dit non, maintenant c'est pas à toi, c'est les autres qui vont en profiter. Et devant tes yeux, et tu te tais, d'accord? Et vous imaginez, il y a un étranger qui rentre chez moi, et puis moi je suis devant mon potager, et puis il me dit pousse-toi, toi. Il ne sait même pas que je suis le propriétaire, d'où il me connaît. Et tu te tais, tu te la fermes. Pourquoi? Hachem veut cultiver en toi tous les 7 ans, finalement, la qualité qui est la plus difficile de toutes à acquérir. Finalement, rien n'est à moi dans ce monde. Je ne suis le propriétaire de rien. Même ma vie, elle n'est pas à moi. Comme ça y fait Hachem, j'ai disparu. Et on ne se souviendra même pas que j'ai existé. Bien sûr, et bien la valim. Donc ça, c'est ce que dit le verset. Giboré Hachem, Omdim Bechatzro, ils sont dans sa cour. C'est quoi la cour? C'est mon champ. Mais qui n'est plus ma cour, qui est sa cour à lui. Et je suis là, et je peux rien dire. Mais c'est mon champ, foutez le camp. Non. C'est l'épreuve. Alors maintenant, aujourd'hui, on n'a plus cette expérience-là, parce que le monde moderne nous prive de cette expérience-là. Ça veut dire quoi? Le message reste vrai. Ça veut dire que cette capacité, finalement, qu'on a de vivre en cultivant, c'est le cas de dire, parce que je dis le mot cultiver, en cultivant, parce que notre vie, c'est aussi un champ. C'est ça qu'on dit d'abord, cultiver dans les deux sens. En cultivant, ça doit être la culture, c'est la manière d'éduquer une nation ou de s'éduquer, d'accord, que finalement, qu'il Hachem aretz, on n'est propriétaire de rien dans ce monde. Et ça, écoute, c'est ça le paradoxe, ça fait de toi un guibord. Ça c'est la fin du cours, laissez-moi juste terminer. Quand un homme vit avec le sentiment que finalement il n'y a qu'un seul propriétaire dans ce monde, c'est Hachem, ça fait de lui un guibord. Je vais vous expliquer pourquoi. Le paradoxe psychologique. Je vais expliquer. Je vais vous révéler quelque chose, mes amis, qui vaut ma mâche de l'or, vous n'imaginez pas. Mais je tiens à vous le dire quand même. Vous savez d'où vient la plupart de nos échecs, le fait qu'on n'arrive pas? C'est parce qu'on a peur de perdre, avant même de commencer. On a peur de perdre. On a peur de se retrouver sans. C'est un verset explicite qui dit que quoi? Que, en français, que les malheurs arrivent, n'arrivent que sur les gens inquiets. Que sur les gens inquiets arrivent des malheurs. Et nos maîtres expliquent, à force d'avoir peur qu'une chose t'arrive, ça finit par t'arriver. À force de dire non, pourvu que ça n'arrive pas, ça finit par t'arriver. Ça veut dire quoi? Dans le langage biblique se cache ici un secret absolument incroyable. Quand tu es face à quelque chose et que tu as peur de ne pas réussir, donc de perdre ou de ne pas recevoir, c'est ça, la pensée même que tu n'y arriveras pas, c'est ça qui fait que finalement tu n'y arrives pas. Pense bien et tout se passera bien. Si tu veux, mais ça c'est trop simple à dire. Je vais expliquer d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus complexe. La même chose, mais ça veut dire quoi? Mais d'où te vient la peur de perdre? C'est parce que tu te sens propriétaire. Mais si tu ne te sens pas propriétaire, t'as rien à perdre. Mes amis, un ennemi, à partir de quand il est invincible? Quand il a plus peur de mourir. C'est ce à quoi est confrontée l'humanité tout entière aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous aimons la mort plus que vous aimez la vie. Le monde occidental est face à un ennemi dont il n'a jamais entendu parler. Qu'est-ce qui fait la force d'une nation par rapport à une autre, et qu'est-ce qui amène la victoire d'une nation par rapport à une autre? C'est quand l'un arrive à faire sentir à l'autre que si tu vas plus loin, t'es mort. La mort a toujours été la dernière limite que je suis prêt à traverser. Des bombardements, des explosions, des enterrements, des femmes, des enfants, des malheurs, très bien. Mais la disparition, non, c'est ma limite.
Pourquoi ? Je ne veux pas disparaître. Je me sens propriétaire de mon existence. Mais quand tu es face à quelqu'un qui te dit « Je viens pour mourir, mais dans ma mort, vous allez vous aussi partir. » Qu'est-ce que tu fais contre lui ? Qu'est-ce que tu peux faire contre lui ? Il a peur de mourir. Ça a commencé avec les kamikazes japonais. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire contre lui ? Qu'est-ce que tu peux faire contre lui ? Puisqu'il n'a pas de front, il n'a pas d'arrêt. Il tient pas à sa vie. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et ça, ils ont compris quelque chose qui déstabilise l'Occident. Mais eux, c'est dans la Touma. Mais l'idée, elle reste vraie. Ma force, c'est que j'ai pas peur de perdre. J'ai rien besoin. Je gagne pas, je m'en fous. J'ai pas. Mais le PLS, c'est que quand tu viens avec cette force, tu gagnes. Quand tu viens sans peur de perdre, parce que tu t'en fous de perdre, tu gagnes. Vous avez compris ce que je dis ? Je répète. Quand tu viens sans la peur de perdre, tu gagnes. En vérité, tu ne perds que quand tu es accro. Tu veux tellement la chose que finalement tu la perds. Parce que tu es rongé par l'idée de ne pas l'avoir. Et quand tu as ce désintéressement, tu prends du recul. Un instant. Tu as ce recul. Tu dis finalement, c'est la volonté d'Hachem. Il veut, il me donne. Il veut pas, il me donne pas. Mais pas seulement comme un religieux à l'église. Réellement, tu le vis dans toutes tes tripes. Ma vie est entre ses mains. Il veut me donner, il me donne. Il veut pas, il veut pas. J'ai, tant mieux. J'ai pas, tant mieux aussi. À ce moment-là, ça te donne une force telle que tu réussis. Et finalement, tu auras. Et donc, c'est ça le sort de la Shemitah. Qu'est-ce que nous dit la Shemitah ? Un truc fou. Et si vous respectez cette loi, si vous respectez la Shemitah, j'ordonnerai ma bénédiction et la sixième année, la récolte sera tellement abondante qu'elle durera 3 ans. 6, 7, 8. Tous les commentaires posent une question. Parce que bon, le verset, on l'a compris, c'est un verset religieux. Fais confiance, tout sera récompensé. Très bien. Ok, c'est d'air. Ok. Mais les commentaires posent une question. Pourquoi c'est marqué Vitsiviti et j'ordonnerai? On aurait dû dire Venatati et Birchati, Veshalarti et Birchati. J'enverrai ma bénédiction, je donnerai ma bénédiction. Pourquoi j'ordonnerai ma bénédiction? Nos maîtres disent une explication extraordinaire. C'est quoi un ordre? Un ordre ne peut être donné que par quelqu'un qui exerce de la force, du pouvoir sur celui qu'on ordonne. Parce que quittez-toi pour m'obliger à faire. Quittez-toi. Mais par contre, si je suis un dirigeant, si je suis quelqu'un qu'on craint, si je suis un homme de force, je peux obliger. Tziviti, fais ! Très bien. D'accord. Donc la notion de tzivouy implique une notion de force. Vetziviti et birchati, dit le verset. Ma bénédiction sera que je vous enverrai toutes les forces d'être un leader. Tziviti, d'être quelqu'un qui peut ordonner. Je ferai de vous un peuple leader, un peuple fort. Ça veut dire que quand on accepte de vivre avec le sentiment profond que je n'ai rien, tout est à toi, tu me donnes tant mieux, tu ne me donnes pas, c'est encore plus tant mieux. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il nous envoie des forces qui fait de nous de véritables leaders. Que finalement, dans tous les domaines, on réussit. C'est trop fataliste. Oui. Je me rappelle plus dans quel passage, il est dit, si toi, homme, en général, tu vas au-delà de tes limites... Moi, à Kazbarou, je vais au-delà de tes mérites. Oui, c'est pas un verset, mais c'est un enseignement. Je 100% juste. Hein, c'est, ça 100% juste. Tout le processus. C'est de 100% juste. C'est voilà. Ouais, c'est un enseignement. Et c'est comme ça qu'on explique que quand tu vas au-delà de tes limites pour lui, il ira au-dessus des siennes pour toi. C'est-à-dire quoi ? Bien que d'après ses limites à lui, il devrait te punir ou ne pas te donner, il ira au-dessus de ses limites parce que tu as été au-dessus des siennes. C'est exactement ça, voilà. C'est dans Pirkei Avot. Voilà, oui. Quand vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de perdre, oui. Comment vous l'expliquez par rapport au couple ? Au couple, on a peur de perdre la femme. Comment ? Comment vous l'expliquez ? Parce que justement, qu'est-ce que tu as peur de perdre ? Mais elle n'est pas à toi. Gagne-la, prouve qu'elle est à toi. Justement, c'est ça, mon ami. Venir avec ce sentiment que... C'est pour ça qu'elle a peur de perdre. Mais qui t'a dit qu'elle est à toi, Birlal ? De quel droit elle est à toi ?
Mais qui tu es, toi? Parce que tu l'as dit, arrête mes coups d'échette, mais fais tes preuves. Elle est à toi, ça va au-delà de je lui ai donné la bague. Elle est à toi, c'est qu'elle ne peut même pas penser autre que toi. C'est pas le problème de la bague. Prouve-le qu'elle est à toi. Que ça veut dire j'ai peur de la perdre? Mais t'as prouvé qu'elle est à toi. Tu comprends? T'as fait quelque chose pour qu'elle soit à toi, à part la signature du maire. Donc comme t'as rien fait pour qu'elle soit à toi, c'est pour ça que t'as peur qu'elle la perde. Ça veut dire que... Et quand tu auras vraiment le sentiment qu'elle est à toi, tu n'auras plus peur de la perdre. Parce que même si tu t'en vas, elle va t'appeler. Mais la femme, si elle sent qu'on n'a pas... Mais c'est ça le problème, encore une fois. C'est ça le problème. Je ne peux pas répondre à une réponse toute faite. C'est le problème qu'on a dans tous les domaines de la vie. Par rapport à l'épouse, par rapport à la santé, par rapport à l'argent, par rapport à tout. Mais qui te dit que c'est à toi? Il y a des choses, par exemple, je ne veux pas, parce que je veux pas être l'iftor pela satan, comme on dit, mais même dans le domaine de la santé, d'accord? Je veux dire, mais ça veut dire, mais qui te dit que le monde a besoin de toi, Birklal? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde pour justifier le fait que tu dois rester vivant? Qu'est-ce que tu apportes au monde? Mais qui te dit que le monde a besoin de toi? Je veux pas partir. Mais qui c'est que t'es là, Birklal? Comprenez? Altif tarpe la satan, j'en dis pas plus. Mais qui c'est que t'es là? Pourquoi tu serais indispensable? C'est toujours la même approche. Avant de dire je veux pas perdre. Mais d'abord pose la question, mais qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter de rester là? Est-ce qu'il y a un être sur cette terre-là qui a connu sa mission? Ça n'existait pas. Impossible. Même David Amelech, il va de même Machia. Évidemment, si vous prenez les choses... Vous parlez de la philosophie, là. Non, c'est pas non. Si vous voulez les prendre, les choses comme ça... Non, pas du tout. D'abord, moi, je connais ma mission et je ne connais pas qui connaît sa mission. Moi, je suis sûr de ma mission. Ma mission, c'est mettre des bourdons dedans pour papa. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Nathan, c'est facile de jeter un pavé dans la mare, mais il faut l'assumer. Je réponds. Lo alecha amelacha ligmor. Aval enata ben chorin leipater mimena. J'explique en français. On ne demande à personne, d'accord, d'avoir toutes les solutions. Mais nul n'est dispensé de chercher. À partir du moment où un homme cherche, il est dans le processus de tout ce que j'explique. On ne demande à personne de tout savoir. On ne demande à personne d'être parfait. J'ai déjà donné des milliers de cours pour dire que tout le judaïsme, c'est qu'on ne demande surtout pas à un homme d'être parfait. On demande à un homme d'être dans une dynamique de vouloir réussir. Et ça, c'est le devoir de chaque homme. Je veux réussir avec ma femme, je veux réussir ma parnasse, etc. J'ai donné aujourd'hui des clés que je suis bouleversé de voir à quel point elles passent à côté de vous. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que je vous dis aujourd'hui. À partir du moment où j'ai compris, par exemple avec mon épouse, que je n'ai pas d'acquis avec elle, que tout reste à construire et que ce n'est pas ma femme parce que je l'ai épousée. Ça, c'est techniquement ma femme. De même, ce n'est pas ma terre parce que j'y vis. Ce n'est pas ma santé parce que je respire, etc. À partir du moment où je comprends que tout est à HM et que je dois tout mériter, à ce moment-là, je suis dans un processus de construction. Maintenant, je n'ai jamais dit que je dois arriver à la perfection avec ma femme, à la perfection avec ma vie, à la perfection. Je n'ai jamais dit ça. Je ne parle pas de ça. Mais moi, je connais ma mission. Et mon maître qui m'a appris la Torah connaissait sa mission. Et j'ai des milliers d'élèves qui connaissent leur mission. Et ma femme connaît sa mission. Et mon père et ma mère connaissaient leur mission. Je ne vis qu'avec des gens qui connaissent leur mission. Ça veut dire quoi? Ma mission, c'est que je ne suis pas sur terre pour vivre comme un animal. Ma mission, c'est pas mettre au boulot dodo. Et moi, je n'ai vécu toute ma vie qu'avec des gens comme ça, qui refusaient de vivre mettre au boulot dodo. Et c'est pour ça que j'ai vécu qu'avec des gens qui ont réussi. Oui. Ah, d'ailleurs, par rapport à la fin, tout à l'heure, vous avez rapporté qu'il y avait Kesef, Biav et Shtar. Ah, oui. Et justement, en fait, ça dépend de la façon dont on l'apprend. C'est-à-dire qu'il y en a un, quand on le prend dans Kesef, Biav et Shtar, c'est juste c'est Kovesh, Miché Kovesh et Tishto. Et à l'envers, c'est Miché Shachav. C'est l'Ishkav. Ça vient du mot... Nassim, j'ai compris. Ils ne sont pas dans le sens inverse. Le Shtar, c'est la représentation de la Kalkala. Après, il y a la Biya. Donc, celui qui commence par d'abord apporter un cadeau ou de l'argent ou des bagues ou des bijoux. Après, juste pour coucher. Et le dernier... Et le Shtar. Non, le Shtar, c'est le premier. Dans ce sens-là. Autiot Arishonot, Kesef, Chav, Bet, Shin. Ça fait Kovesh.
Kovesh. Ça fait Shochev. Mais les deux sont négatifs, Kovesh et Shochev. Non, non, Kovesh, l'Irvosh, c'est conquérir sa femme. Ah, dans ce sens-là, Chazak. Ouais. Et alors, donc Kovesh, ça commence par Kesef. Par Kesef. Et c'est pas forcément la valeur de l'argent, parce qu'on dit c'est Shavet Pruta. On n'est pas obligé d'apporter des sommes, enfin, c'est le shtar qui représente la partie kalkala, la partie les robes, tout ce qu'on demande dans le shtar. Très bien. Le kesef, c'est l'argent inversé d'une relation interdite. Parce que dans une relation interdite, on donne de l'argent. Dans le mariage, c'est le kesef en fait, qui vient en dernier. Atka, mes amis, Shabbat Shalom.